شنو بلعاني اش بيك؟ بلعاني اه وشنو؟ بلعاني مال هذوك اللي خبطك في كل وريك بلعاني هذيك في الدايره. اه يمشي جاي جنبات. ايه جنبات. كلمة كلها للحنان. كلمة هي طريقة فسق فسق. انتي هادو غير خرايفات يخلعوا بها الناس وغير هادي اللي ما تصراش هنا. ماما وعدتني خرجيهم من البحر. ما يشعب يشوفهم داخل البحر. خرجيهم. اوه تقدر تقولي من وقت اشياء توجد في روحك باش تدخل البحر؟ اسمح لي ما فهمتكش. Kindil El Bahar, le film pose la question à Adila Bendimera de la place de la femme dans l'espace public. Pourquoi au juste la situer sur une plage? C'est vrai, mais pourquoi ne pas la situer sur une plage puisqu'on habite tous en bord de mer et on a fait très peu de films en mer. Déjà, il y avait une envie de, au départ de filmer une performance de danse sous l'eau pour le plaisir. Ouais. Et il y avait à ce moment-là le lynchage aussi de la jeune femme afghane, Farhunda, qui m'avait beaucoup... beaucoup interpellée, beaucoup choquée, beaucoup angoissée, beaucoup inquiétée. Et au fil de la discussion avec Adel Bentounsi et Damien Ounouri, on est arrivé à cette histoire et voilà. Alors on ne va pas déflorer, on ne va pas raconter le film de bout en bout. Ça parle aussi de la vengeance d'une femme. Pourquoi ce thème de la justice par soi-même, là encore, vous allez me dire pourquoi pas, mais vous n'avez pas le droit de faire deux fois. Non. Mais c'est très intéressant au fond de placer à la fois, je le disais, la place de la femme, mais aussi du coup après la question de la justice. Hein. Au départ, elle ne se venge pas tellement, c'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'elle ne peut plus respirer sur Terre, elle revient à la vie, elle se métamorphose, elle voit sa famille au loin et elle rampe sous l'eau pour essayer de récupérer son enfant, ses enfants, et elle appelle sa mère qui ne l'entend pas, elle a perdu le langage. Et c'est la rage, c'est l'impuissance en les voyant partir, en voyant qu'elle ne pourra plus jamais être sur Terre, qu'elle se met à hurler de rage, et c'est ça qui va libérer lui révéler à elle-même son pouvoir, et elle va tuer aveuglément tous les gens qui se baignent. Donc au départ, c'est pas une vengeance. La vengeance, c'est le réalisateur qui la voulait. Il me disait, il faut que ça nous fasse du bien aussi, c'est du cinéma, c'est possible au cinéma. Moi, ça me gênait au départ, ouais. Mais on a coécrit, et finalement... elle aurait peut-être dû se venger un peu plus, ouais. Parce que le cinéma permet ça, c'est-à-dire nous on n'est pas là pour être juste ou être politiquement correct, c'est comme la tragédie grecque, hein. Il y a du sang, on se venge, on se défoule comme ça. Ce qui est assez audacieux, je trouve, ça n'engage que moi en tous les cas, sur un sujet parfois sensible, sur la place de la femme de ce côté-ci et de l'autre côté de la Méditerranée, c'est aussi que ce film emprunte à des codes fantastiques, voire d'épouvante, on ne voit pas toujours cela. Qu'est-ce que ça apporte selon vous, le surnaturel, pour en parler? Alors, en écrivant le film, ce n'était pas un sujet qu'on a attaqué sur la femme ou quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une femme qui est auteure, qui est scénariste ou romancière, elle écrit ce qu'elle connaît. Donc si on avait une majorité de femmes qui écrivaient à l'inverse d'aujourd'hui, c'est-à-dire la majorité de la fiction est écrite quand même par des hommes, on ne se dirait pas que c'est un sujet sur les femmes. C'est juste que ce sont nos histoires, ouais. C'est notre quotidien. Et le fantastique, on n'avait pas non plus pensé... pas du tout à faire un film fantastique ou un film d'épouvante, mais on était avec nos personnages et on s'est dit de façon assez décomplexée, je pense, et assez insouciante, continuons avec elle même après la mort. Pourquoi pas, encore une fois, le cinéma le permet. يا زعفة الحوت انا شي بلعاني مامي ها
حرام عليك علاش سمحيلي يا سمحيلي ماشي دابا ايه ايه كنهضر معاك سمحيلي هذا واش قلت لك خلاص ما كان والو مالش راه حاول يهضر معاك هو يهضر معاك ماشي بلعاني واش بيك بلعاني وشنو بلعاني مال هذوك الخبطه كنت نوريك بلعاني هذيك في الدائره واخا يمشي vous avez aussi tout un projet en Algérie vous parcourez les petites villes l'arrière-pays avec un projet de théâtre est-ce que vous pouvez nous en dire plus C'était pas vraiment prévu. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, on avait commencé à monter des ateliers de théâtre de rue, parfois avec des amateurs qui n'avaient jamais fait de théâtre, et parfois avec des professionnels où on mettait vraiment en scène des pièces un peu plus compliquées. Et on improvisait, c'est-à-dire le but était d'avoir un sac à dos avec nos accessoires, un tout petit sac à dos pour être léger, et essayer de trouver dans la ville les endroits où on pourrait avoir un bon son et où on pourrait... être entouré de personnes ou en tout cas interpeller des gens. Et on s'est mis à jouer comme ça pendant 4 ou 5 ans et c'était une formidable expérience puisqu'on a eu une qualité d'écoute et un échange avec le public qui était formidable, beaucoup mieux que sur scène finalement. Puisqu'il y a des théâtres partout en Algérie, dans les grandes villes, qui sont très, très officiels, très administrés. Et là, c'était une vraie liberté, donc on s'est amusé comme des enfants. Et on a voulu retenter l'expérience et on s'est dit, bon, cette fois, on va aller quelque part. On ne sait pas bien, mais on va faire les films, les villes du nord du pays. Et puis on s'est dit, ben non, pas du tout, on va aller en profondeur, on va s'enfoncer. Quel est l'accueil, justement, d'emblée? Est-ce qu'il est plutôt positif ou est-ce qu'il y a plutôt de la curiosité? Et ensuite, on adhère au projet. Comment ça se passe? Ah mais c'est-à-dire qu'il y a une adhésion tout de suite, on a toujours un peu peur parce qu'on arrive dans la ville des gens, les gens circulent, avancent vite, on ne sait pas à quel moment si on n'ose pas les déranger. Et très souvent, nos premiers alliés sont les enfants. Et là, les enfants ont donné un sens, ils ont donné un sens et une dimension plus importante à ce projet qu'on a envie de renouveler et en plus grand parce qu'on a un grand pays. Donc pour le parcourir, il nous faudrait 2 mois et on y pense. C'est vaste. Oui. Vous incarnez aussi, vous jouez également dans le film du réalisateur Georges Hachem, réalisateur libanais. Ça s'appelle Still Burning. Je crois que vous vous apprêtez à prendre la route, l'avion plutôt pour Dubaï. Un mot sur votre rôle dans ce film justement. Alors, je ne sais pas vraiment comment en parler, parce que ça a été une aventure folle. Je suis arrivée au Liban, je ne connaissais pas Georges, j'avais juste vu Balle perdue avant d'arriver. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, je suis dans un pays que je ne connais pas leur histoire, je vais jouer le rôle d'une Française et le rôle d'une Libanaise, j'ai 2 rôles dans ce film. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Et ce qui s'est passé, c'est tout simplement le cinéma, la rencontre avec un réalisateur qui a été quelqu'un d'important dans mon étape de travail en tant qu'actrice, puisqu'il il lit comme un livre ouvert ses acteurs. Et ça a été un vrai exercice et une vraie libération aussi pour moi, puisque j'ai gommé toute mon identité algérienne. Ouais. Oui, parce que vous avez dû jouer donc en français et en libanais aussi, oui. En arabe libanais. Oui, j'ai essayé de m'appliquer. Et c'était formidable parce qu'il était question juste de cinéma, d'une histoire d'amour, d'une tragédie qui se jouait dans un pays que je ne connais pas forcément. Ouais. Et donc, c'était toute l'innocence de l'acteur finalement. Et renouer avec ça, ça a été une grande chance. On parlait du Darija, du dialecte algérien et du libanais. Votre film est présenté à Dubaï. On a le sentiment qu'il y a de plus en plus de passerelles entre le Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie et cette partie du monde qui ne s'est pas forcément toujours comprise d'un point de vue linguistique, culturel aussi. Vous sentez qu'il y a des avancées en la matière? On est de plus en plus curieux dans cette région du monde, Arabie Saoudite, Dubaï, de connaître le Qatar aussi, de connaître les artistes du Maghreb? Alors, je ne sais pas si on est de plus en plus curieux parce qu'on a tous tendance à aller plus vers l'Europe. On est tous comme ça et je trouve qu'on ne se connaît pas assez et qu'on ne connaît pas nos cinémas. C'est vrai que les festivals permettent que nos œuvres circulent un peu mieux, mais en littérature, il faudrait que ça circule encore plus. Mais c'est vrai que le tournage de Still Burning avec George Hesham, ça a été un moment où je me suis dit, mais c'est incroyable parce que je joue dans une langue qui n'est pas tout à fait la mienne, mais qui est aussi la mienne parce que c'est de l'arabe. C'est tellement plus simple, je comprends tout ce que je dis. Et tout ça, on peut le faire dans ce monde arabe. C'est peut-être plus compliqué en Europe, par exemple, de jouer en serbe quand on est français ou en allemand. Et là, c'est beaucoup plus simple, on a tellement de possibilités.